Il y a plus de 6000 ans, des hommes dont nous ne savons rien dressaient des pierres monumentales qui jalonnaient les solstices et les équinoxes. Tant de poids à soulever pour commencer à faire des signes, pour commencer à communiquer. Ce message nous parvient sur ces énormes mégalithes complètement brouillés. Mais il nous dit que c'est dur, que c'est long, que c'est le difficile et principal travail de l'homme de libérer le verbe, de lui rendre de la souplesse, et finalement, de le restituer aux ondes d'où il vient. 1865. Victoria, reine d'Angleterre, est assise de tout son poids sur la plus grande richesse du monde. Abdulaziz, sultan de Turquie, vient de monter sur le trône et mourra assassiné. Déjà, sous le roi de Prusse, Guillaume Ier, se profile le Kaiser. Lincoln, président des États-Unis, meurt en avril d'une balle d'esclavagiste. Napoléon III est empereur des Français. Alexandre II, tsar de toutes les Russies, émancipe les serfs, mais l'histoire va plus vite que lui. L'empereur François-Joseph voit son Europe se démanteler. Wagner fait jouer à Munich Tristan et Isolde. Victor Hugo, en exil depuis 14 ans, a fini la légende des siècles. Jules Verne publie son troisième livre, De la Terre à la Lune. Léon Tolstoï, qui vient de se marier, écrit Guerre et paix. Karl Marx corrige les épreuves du Capital. Darwin vient de publier L'évolution des espèces. À Paris, le 17 mai 1865. Sa Majesté l'Empereur des Français. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême. Son Altesse royale, le Grand-Duc de Bade. Sa Majesté le roi de Bavière. Sa Majesté le roi des Belges. Sa Majesté le roi de Danemark. Sa Majesté la reine des Espagnes. Sa Majesté le roi des Hellènes. La ville libre de Hambourg. Sa Majesté le roi de Hanovre. Sa Majesté le roi d'Italie. Sa Majesté le roi des Pays-Bas. Sa Majesté le roi du Portugal et des Algarves. Sa Majesté le roi de Prusse. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies. Sa Majesté le roi de Saxe. Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège. La Confédération suisse. Sa Majesté l'empereur des Ottomans. Sa Majesté le roi de Württemberg. Également animé du désir d'améliorer les conditions actuelles de la télégraphie internationale et d'établir une entente permanente entre leurs États, ont résolu de conclure une convention. Les princes d'un monde plein de conflits s'entendent au salon de l'horloge autour d'une machine qui abolit l'espace et le temps. Dans la plupart des pays, les lignes télégraphiques doivent passer les frontières. Elles imposent aux princes une coalition pacifique. La
première phrase envoyée par l'ingénieur Morse en 1845, c'est le boulot de Dieu. De cet objet est né le téléphone. Elisha Gray était un bricoleur de Chicago. Graham Bell s'occupait à Boston de l'éducation des sourds-muets. Le 14 février 1876, à quelques heures de distance, les deux hommes, qui ne se connaissaient pas, déposèrent un brevet pour le même instrument. Le téléphone, qui allait relier toutes les voix, reliait deux esprits par une coïncidence extraordinaire. Il n'y a plus un langage, plus un accent qui ne voyage. Toutes les voix humaines traversent les mers. Des millions de conversations franchissent le monde du silence. Sur cette presqu'île émergent des câbles qui relient l'Europe à l'Amérique. Le premier câble sous-marin fut posé pour le télégraphe en 1850 entre l'Angleterre et la France. Un bateau de pêche le prit dans son chalut, en coupa un morceau et le rapporta à Boulogne. Le capitaine croyait avoir découvert un spécimen d'algue marine dont le centre était rempli d'or. Mais l'or caché, la vraie richesse, c'est la communication. Avec la radio, le verbe pour voyager se libère de tout support. Les hommes sur la terre, dans le ciel ou sur la mer, ne sont plus condamnés à la solitude. Désormais, l'espace est à toute la musique. Désormais, toute prière qui monte peut s'étendre largement.
Il n'y a plus de pays perdu. On est dans tous les points du monde en un rien de temps. On échange en un rien de temps les paroles, les images, les musiques et les connaissances. Il n'y a presque plus de pittoresque, bien sûr. Mais ceux qui se désolent de la disparition du pittoresque oublient qu'il y a une joie plus profonde que celle qui nous vient de constater les différences entre les hommes. C'est la joie qui nous vient de constater les ressemblances. Nous sommes à Edé, une ville du Nigeria. Ces percussions, ce n'est pas du bruit, c'est du verbe. Ils écoutent des idées, des sentiments, qui ont pris des vêtements plus légers que les mots pour circuler. Ils se parlent, ils posent des questions à leur chef, qui répond. Écoutez, au revoir. Au duboché. Bonne nuit. Au dawuro. Je t'aime. Merci. À dupe. La station spatiale est là, parmi les hommes du monde ancien. C'est elle qui suit les satellites et guide les cosmonautes. Sur la montagne de la magie africaine se dressent les grands relais hertziens. Il y a temps pour tout. Il y a même un temps pour que les temps se rejoignent. Il y a un voisinage entre la magie ancienne qui voulait changer le monde et la magie moderne qui le change effectivement. Dans les grands deltas, les pylônes poussent à côté des arbres à pin et les câbles qui unissent les hommes en les libérant atteignent le bout du monde. Pour venir jusqu'ici, il n'y a pas de route. On arrive en péniche ou en hélicoptère. Mais depuis peu, on est quand même relié à tout. Ils sortent de la brousse pour venir assister à cela. À peine émergés de la proto-histoire, la technique les change en contemporains du futur. Les hommes ont des couleurs, des religions, des langages différents. Mais c'est avec la technique que commence quelque chose de vraiment universel. C'est partout le même studio, la même façon de faire, la même manière de recueillir l'image des hommes et de la communiquer au plus grand nombre possible, le plus loin possible. Couronnement d'une reine, la cérémonie la plus hiératique où tous les gestes sont liés au passé. La télévision s'en empare et la fait se dérouler devant des millions de regards.